Bonjour les Miss Marketing et bienvenue sur cette chronique Le Marketing à la page. Je suis Véronique Plouvier, je suis auteure et coach rédactionnelle. J'aide les entrepreneurs motivés à écrire rapidement un livre pour développer leur visibilité, asseoir leur expertise et gagner de nouveaux clients. Nous allons parler motivation. Parce que lorsqu'on écrit un livre, il est parfois nécessaire de soutenir sa motivation. Écrire est un processus qui peut prendre du temps. Vous allez investir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de votre vie dans l'écriture du livre qui vous tient à cœur. Et il y aura forcément un moment où vous serez tenté d'abandonner, un moment où le découragement vous gagnera. Et bien, c'est dans ces moments de doute qu'il faut se souvenir de ses objectifs. Pour quelle raison avez-vous entrepris d'écrire ce livre? Alors ça peut être pour réaliser un rêve. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, c'était vraiment cela. Depuis toute petite, je rêvais d'écrire un livre et réussir son installation à l'étranger a été la réalisation de ce rêve. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, écrire est du domaine de l'envie profonde. Donc ça peut être la première motivation. Donc à garder bien en mémoire. La seconde raison peut être, imaginons que vous avez inventé une méthode, que vous avez un message qui vous est propre, eh bien le livre va vous aider à faire entendre votre voix, à devenir visible pour aider le maximum de personnes. Et donc c'est une excellente raison de continuer et d'aller jusqu'au bout du projet. Enfin, si vous êtes un professionnel, un entrepreneur, eh bien écrire un livre va soutenir votre action marketing, va vous faire gagner en notoriété, va vous faire gagner en crédibilité et va vous permettre de vendre des services et des prestations. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez entrepris de l'écriture de votre livre, je ne sais pas, écrivez-la en gros sur un post-it, mettez-la au-dessus de votre ordinateur ou sur la première page du cahier sur laquelle vous prenez vos notes, mais gardez-la en tête parce qu'à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de vous remotiver et se souvenir de l'impulsion de départ. C'est vraiment un bon moyen de garder le cap et de continuer à écrire et d'aller jusqu'au bout du projet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Miss Marketing.